Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Robocraft, chers amis. On va faire un petit épisode de construction, en tout cas peut-être plutôt de recherche. J'ai envie de voir s'il y a moyen, hop, de faire un avion solide avec une base de 3. Mais une base de 3 renforcée, c'est-à-dire que vous voyez, hop, c'est sur un cube de 3 par 3 que je vais faire ma base. Et est-ce qu'il y aura suffisamment de propulsion pour garantir un vol rapide malgré une armure conséquente? Qu'est-ce que j'entends par là comme vol rapide? C'est-à-dire que je vais placer uniquement des cheetahs, que les gros. Donc, alors, je vais déjà les placer au fond. Peut-être pas trop au fond, hop, voilà, comme ça. Et donc j'aimerais en placer un maximum, littéralement, hein. Ou alors, et je me base sur le principe... J'hésite en fait, j'hésite. J'hésite. Enfin bon. Ok. Allez, je sens que ça va être trop. Ah bah, blablabla. Et donc sur une base de 1 cube, c'est trop petit, c'est pas possible. Ça tiendra jamais. Et donc sur une base de 2, est-ce que ça tiendrait? De 2 par 2, mais c'est pas centré, c'est ça qui est chiant. J'aime pas quand c'est pas centré. Non, on va faire sur une base de 1, on va essayer de faire un objet rapide, un objet volant rapide. Est-ce que ça passe comme ça? Non, ça passera pas. Donc c'est forcément sur une base de 3. Donc sur une base de 3 simple. J'appelle une base de 3 simple, c'est ça. Ça, c'est une base de 3, ce que j'appelle une base de 3 simple. Hop. Ça, ça passe. Si je voulais en mettre un peu plus. Je fais exprès de prendre beaucoup de longueur, chers amis, n'inquiétez pas. Hein. Hop. En plus, il est possible que ce ne soit pas à l'extrémité du robot. Hein. Je précise au passage que tout ça n'est qu'expérimental pour l'instant. Hein. Je n'ai aucun système de comment de prise de comment d'informations sur internet ni rien. C'est pas Robocraft Garage, c'est Marcus Bonus Garage. Hein. Alors, réflexionnons. Si ça devait être la base. La partie centrale. Il faudrait que je rende ça solide. Si je rendre ça solide. Donc là je me retrouve avec une base de 3 qui est un peu plus solide qu'une base de 3 simple. Cependant, je ne peux rien placer dessus. C'est ça le véritable problème. Celui-là, il faudrait que je le garde. Hop. D'accord, donc ça, ça passe. Ok, intéressant. Ça, c'est véritablement intéressant, chers amis. Vous allez voir pourquoi. Je vais même le laisser comme ça. Hop. Alors, j'ai supprimé Death from Above, hein. Death from Above, pardon. Simplement parce que je voulais m'assurer que celui-là passerait. Hop, est-ce que je peux mettre cela ici? Oui, je peux. D'accord. Du coup, ça me permet aussi de faire une armature autour. Ça, c'est intéressant. Ça, si. Génial. Génial. Est-ce que là, du coup, ça fait combien? Ça fait 4. Du coup, il y en a un de trop. Non, c'est bon, ça passe. Ok, ça, je prends. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. Hop. Ok. Ah, merde, je me suis planté de bouton. Ok, parfait.
serait parfait. Hop, si je voulais placer ça comme ça. Je devrais être en mesure, normalement. Il faut que j'en place aussi trois devant. Histoire que ce soit propre. Hop. Voilà. Et donc, il faudrait que je fasse la même chose en dessous. Aussi. Hop. Ok. Ah mince, il y a un truc que j'ai pas pensé à faire. Hop. Crac. Ok. Ok. 2 et 3. 2 et 3. Ah non, je crois que j'en avais déjà mis un. Pardon, excusez-moi. Hop. Hop. Voilà. Bon, ça c'est fait. Ok. Est-ce que ça me permet du coup de mettre en mouvement? Hop. Ok. Et là, est-ce que je pourrais? Non. Je ne peux pas. Alors ça me fait chier parce que ça s'entre pas aussi ici, donc alors attendez, il y a combien de cubes? 1, 2, 3, 4. Si je l'avançais de 1. L'espace d'un instant, je fais ça. Hop. Ok. Je prends un rudder normal. Je l'avance de 1 et je supprime ce truc. Ça passe. Ok. Jusque là, tout est positif, chers amis. Tout est positif. Ce qui veut dire, normalement... Ah, j'aurais dû le placer aussi bien comme il faut. Hop. Je pourrais peut-être en placer un là. Voilà. Ok. On joue un petit peu avec les règles du jeu, hein. C'est le principe. Et ici, je vais faire pareil. Okay. Hop. Voilà. Alors est-ce que ça déjà de base ça vole? Je rajoute quand même les ailes partout. Il me manquerait 2 ailes apparemment. Effectivement. Mouvement, oui c'est bon, je cherchais à réfléchir, c'était dans... Ouh là là, ça va plus dans ma tête. Albatros. Bon, je mets pratiquement 1 million dedans, hein. J'espère que ça ne vous dérange pas. Est-ce que ça, ça vole? Test robot. Est-ce que ça, ça vole? Est-ce que ça, ça vole? Alors, instant de vérité. Oui. Oh là là, oui, c'est même extrêmement agile. Génial. Oh, j'aime. J'aime beaucoup. Il est même presque un petit peu trop agile. Trop véloce. Pourquoi il penche sur la droite toujours? C'est rigolo ça. Si je le contrôle pas, il finit toujours par se barrer. Faut que je rajoute du poids, il y a trop de propulsion par rapport au poids en fait. Au poids, pardon. Ça doit être ça. Ok, pourquoi pas. Ça m'intéresse. Alors est-ce que j'en rajoute à l'avant ou est-ce... Enfin, est-ce que j'équilibre avant-arrière ou pas? Je devrais normalement. Je devrais. Niveau armement. Je sais même pas ce que je vais lui mettre comme armement. Ok. Voilà, je vais lui rajouter de l'arrière. Non, je vais lui rajouter un petit peu d'avant. Hop.
J'avais racheté des cubes à l'occasion en fait, hein. Je sais pas si c'est remarqué, j'ai quand même une belle quantité de cubes. Hop. Voilà. Crac. Sur un principe de... on va dire d'équité. Je sais que sur... alors attendez, on va compter tout ça. Oula, non, pas dans le bon sens ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième sera toujours bon. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je peux mettre ça. Je pourrais même en mettre un avant d'ailleurs. C'est juste devant, d'accord, donc c'est celui-là. Ok. Donc c'est tous les 4 en fait. Tous les 4. 1, 2, 3, 4. Enfin bon, je peux laisser celui-là comme il est. Il dérange personne. Cependant, ça me permet de renforcer un petit peu. Vous voyez, hop. Ses ailes, voilà. Alors, ensuite. D'ailleurs, si je voulais vraiment les renforcer, je pourrais même... ah, ça passera pas forcément. Je me doute. Je me doute, je me doute. Voilà. Ah, c'est rigolo. Question. Je peux les mettre là? Non, d'accord. D'accord, d'accord. Si je dis que c'est rigolo, c'est parce qu'en fait, je devrais normalement les mettre là. Si je voulais que ça se passe bien. Mais ça écarte de beaucoup le centre. Et là, ce serait presque mieux en plus. Là, ce serait presque plus centré, en fait. Quand on regarde de près. Ah, zut, il faut que je mette aussi celle-là. J'ai peur que ce soit pas solide, mon histoire. Hop, pourquoi pas. Crac. Ah, puis il me manque en plus des... oh, j'avais oublié des rudders, quoi. J'avais oublié des rudders. Eh bah merde, ça passe pas, là. Ah oui, c'est parce que j'ai pas avancé ici. Hop. Et j'en ai plus de rudder, donc je vais en acheter quelques-uns. Mouvement. Hop. Allons-y. De toute façon, une fois qu'on aura mis suffisamment de rudder, voilà. Ah, c'est pour ça qu'il penchait, du coup. Il manquait des rudder d'un côté, du coup, il penchait forcément parce qu'il était déséquilibré vers le bas. Ok, c'est peut-être ça. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, je peux même mettre un de ces cubes ici. Parfait. Même d'ailleurs, si je voulais vraiment solidifier le truc. Ah non, même pas, ça passe pas. Ok. Oups, j'ai fait une connerie. Crac. Voilà. Bon, je peux le faire ici. Hop. Ce qui en fait supprimerait ce truc là. Ok, ouais, c'est peut-être mieux comme ça en fait. Ça rajoute certes un petit peu de poids, mais ça fait sans doute un peu plus solide aussi. Ok. Alors, ça c'est fait. Voire même, si j'étais vraiment consciencieux, pardon, je mettrais ceci. Il faudrait passer légèrement devant en fait, et du coup couvrirait peut-être un petit peu mieux les propulseurs. Est-ce que d'ailleurs je peux mettre un de ces trucs là dessus? Ah oui, je peux. Génial. Génial, génial. Ok. Écoutez, je vais refaire ça à l'arrière. Hop. Voilà. Ok, hop, et donc on avait dit un petit comme ça, enfin de chaque en haut et en bas. Ok,
Ok. Bon. Voilà quelque chose qui s'améliore petit à petit. Et même si je voulais être véritablement consciencieux, je ferais ça comme ça. Ce qui me permettrait en plus de rajouter ça. Et de reprendre ici. Ah, s'il faudrait que je remette un. Comme ça. Non. Non, je pense pas. Tiens, on m'envoie des textos, l'autre chose. Vous allez vous calmer? Alors. Hop. Ah, peut-être qu'ici je devrais en mettre un. Je sais pas, c'est bizarre en fait. Est-ce que je devrais en mettre un? Ça rend comment si j'en mets un? Ça rend bizarre. Je peux rien mettre en fait ici, si je voulais. Si je pourrais mettre ça, tiens. Exact. Hop. Esthétisme. Hop. Voilà. Hop, je peux faire ça. Ça devient inutile aussi ce que je fais, ça devient redondant. Hop. Sauf si j'arrive à y poser. Sauf si j'arrive à y poser une arme, mais ça m'étonne. Ça m'étonne. Bon, on va faire ça comme ça. Hop. Ah, j'ai supprimé un truc, je sais pas ce que c'est. Alors là. Là, je sais pas du tout ce que c'est. Je déteste quand ça fait ça. Ah, oh, c'est pas grave. Ah, d'accord, j'ai supprimé le cube à l'intérieur. Bien. Bien. Bon, ça, c'est inutile. Au contraire, ça. J'ai encore chier. Ok. Ok. Hop, voilà. Hop, on va faire ça comme ça. Tant pis si c'est moche. Comment j'ai pu dire ça, moi? Il n'y a vraiment aucun moyen de régler ce truc-là. Hop. Oh, si c'est pas trop mal, ça fait une espèce de dent, en fait. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme armement dessus? Qu'est-ce qu'on a comme armement dispo, d'ailleurs, à l'heure actuelle? On a les 4, on a du heal. Ouais, c'est assez moyen ce qu'on a jusque là. On a 4 plasmas. Nominal count 6. Ça pourrait être intéressant. Ça ferait un autre flyer plasma. Peut-être pas tip top ça, chers amis, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je sais que ça fait pas de dégâts. 1600 par hit. Là, on a atteint du combien? 26 000 par hit, et là on atteint sur une SMG, on atteint du 6 000. Oh la gueule. Ouais. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a comme armement? Qu'est-ce qu'on a comme robot avec de l'armement dessus? On a celui-là qui a le bomber. Est-ce qu'il mériterait que je prenne le bomber? Est-ce que juste... Oh là. Ah, c'est joli maintenant. Est-ce que je peux prendre le bomber, histoire de voir, juste comme ça, pour la blague? Et on le remettra peut-être sur celui-ci, une fois qu'on aura fini tout ça. Il prend quelle taille? Est-ce que, par exemple, je pourrais le mettre... Si je le voulais... À l'avant. Ok, normalement je devrais être bon niveau distance. Ok. Ah non, même pas encore.
Hop. Je sens que ça va mal se placer cette histoire. Je sais pas pourquoi. Non? C'est plutôt centré? Eh, c'est plutôt centré. Cool. Ok. Donc il pourrait aller à l'avant. Qu'est-ce qu'il faudrait que je mette à l'arrière du coup? Ou alors je le mets à l'arrière et à l'avant je mets les... Ouais. Voilà. C'est ça comme ça qu'on va faire, chers amis. Hop. C'est comme ça qu'on va faire. C'est comme ça qu'on va faire. On va voir si ça passe là. Ça passe. Est-ce que tu passes là? Non, ça ne passera pas. Je voudrais éviter d'avoir un trop gros nez, s'il vous plaît. Parce que moi, je comptais en placer en fait une en dessous, une en dessus, une en gauche, une en droite, quoi. Allez. Voilà. Même si je sens que ce sera pas forcément efficace. Ah d'accord, en fait c'est parce que ça gêne aussi au niveau des... D'accord. Écoutez, on va avancer encore un peu là. Ok, est-ce que là ça gêne toujours? Si je place ces deux là... Pas placer celle-là, là, on est d'accord. Oui. Ok. Ok. Hop. Histoire de rendre les choses jolies. Hop. Hop, voilà, pareil en dessous. Non, c'est ce truc là que je voulais, merci. Non, c'est pas ce truc là que je veux, c'est celui là, merci. Hop. Ok. Hop. Ok, de ce côté là c'est bon, maintenant je peux recouvrir tout ça. Ce qui nous fait un sacré poids à l'avant. Ce qui va peut-être nous empêcher de mettre un truc à l'arrière, malheureusement aussi. Parce qu'on a mis beaucoup de cubes. Beaucoup, 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 beaucoup de cubes. Hop. Allez. Hop. Ok. Déjà sur le principe je trouve stylé hein. Soyons honnêtes. Alors, on a déjà plus suffisamment de cubes pour mettre autre chose. Ça c'est la catastrophe. Sauf si en attendant d'avoir ce qu'il faut, on décide de placer des 4 bombeurs classiques. Si on fait ça. Alors comment j'ai géré ce truc là déjà? Ah oui, exact. Ah, faut que je recopie tout, hein, par contre, là. Pour le coup. Je crois qu'il y avait ça. Puis ça. Donc non, en fait, derrière, c'était justement les deux fameux... Hop. Crac. Crac. Il y a un point central et une rechute. Hop, ok. Dépatouillons-nous. Hop. Ok. Et sur les côtés, qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, j'avais fait ça, exact. D'ailleurs, je peux le prendre ici. Hop. Voilà. Hop. Ok, sur ce côté-là, c'est plutôt bon. Il faut juste que je repense à mettre aussi en bas les choses que j'ai faites.
Hop. Crac. Voilà. On voit là un robot qui est stylé. Hop, merci. Et du coup, en attendant de pouvoir faire mieux. Hop. Crac. Hop. Je partirai bien, par principe. Sur 4 bombers, tout ce qu'il y a de plus classique. Dans hardware. Je crois qu'il me faut encore 2 cubes. Mémoire. Ah non, ça, ah, ça aurait suffi. D'accord, ok, parfait. Ok. Hop. Voilà. Ah, oh, je suis déjà à fond. Quel dommage. Parce que je peux pas les faire tenir sur une seule ligne, ce serait catastrophique. Ah, quel dommage, quel dommage. Ah, je suis déjà au maximum. Non. Quelle horreur. Quelle horreur. Hop, je vais enlever ces trucs-là de ce côté-là. C'est pas grave. Hop. Il faut juste que je puisse les mettre un petit peu plus tanky. Voilà. Bon, je peux mettre 2 cubes si je veux. Youhou. Voilà, c'est bon, je les ai mis. Bon, il est pas terminé. Je le trouve stylé. On va aller le faire voler quand même. On peut le mettre en gris ou en pète en pêche. Ok, merci pour l'animation qui a disparu. Non, pas en pêche. Mmh. Ok. Non, pas l'armement en beige. Si je devais mettre du beige, ce serait toutes les parties propulsantes. Non, même pas. Non, le rouge lui va bien en fait. Ok, test robot. Hop. Alors. Ça commence mal. Ah, la gueule. J'ai trop de poids à l'avant. J'ai trop de poids à l'avant. Comment je peux régler ce problème-là? Mis à part en enlevant de l'armement. Comment je peux régler ce problème-là? C'est vrai que j'ai beaucoup de poids à l'avant. Puis je peux pas mettre d'hélium, ça va me prendre beaucoup trop de flops. Si je supprime un petit peu de ça... Par exemple, combien que ça coûte un en flops, un ski? 25 flops. What? Donc j'ai beaucoup trop de poids à l'avant. Et si je faisais l'inverse? En plus, ce serait peut-être plus pratique. Plus pardon, là j'ai fait une connerie. Hop. Si je souhaitais faire l'inverse, si je mettais ça à l'arrière. Est-ce que je dois garder les mêmes distances ou est-ce que ça passe, ça passe, ça passe, ça passerait. Ok, bon, il faudrait que je garde ça déjà. Hop. Crac. Ok.
Le tout c'est de savoir s'il va quand même décoller ou pas. Hein. C'est ça le véritable problème en fait. Le véritable souci c'est qu'on sait pas s'il décollera. Ok. Ici, j'en ai 4, c'est parfait. Hop. Est-ce que ça va passer cependant? Ah oui, ça me semble passer. Hop. Est-ce qu'il décollera? Aha. Ah, not enough CPU, ok, cool. Merci. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux réduire? Ça? Est-ce que ça suffit? Je crois que oui en plus. Oh la gueule, ça passe bien. Hop, test robot. Alors. Je regarde l'heure quand même parce que merde. Ça fait une demi-heure que j'y suis, je crois, ou un truc comme ça. Je commence à voir la dalle qui plus est. Il veut pas. Il veut pas décoller. Si ? Oh la gueule ! Il a décollé finalement. Bon, il a grandement perdu en maniabilité, hein, faut le reconnaître. Mais il est efficace. De là à dire qu'il est pas cher. Surtout, est-ce qu'il tire à l'avant? Oui, il tire à l'avant. Ok. Ok, par contre, l'emplacement... L'emplacement à l'avant n'est pas bon. Ok. Donc, il y aura encore des choses à modifier. Mais je pense qu'on va attendre d'avoir plus de niveaux pour le faire, les amis, je pense. Parce que là, on est vraiment ric-rac niveau... Niveau flop, c'est pas une bonne chose. Je sais pas trop comment je pourrais régler ça, sachant que je l'ai... Pourtant, il est efficace en vol. Ah si, je pourrais mettre tous les canons sur... Si, si, si. Si, si, je vois des choses. Je vois des opportunités, chers amis. Je vois des opportunités qu'on va pouvoir peut-être se faire dans un prochain épisode quand on aura plus de niveaux. Je pense que quand on sera à niveau à peu près 130, on pourra peut-être avancer sur ce robot. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam, donner votre avis sur le robot. Quand j'aurai les crédits suffisants, chers amis, je mettrai des robots en shop. Hein, ça vous aidera comme ça si vous souhaitez les récupérer. Moi, en tout cas, je vous laisse là-dessus pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et un like, un abonné en plus. Et un partage, c'est toujours sympa, ça m'aide à me faire connaître, les amis, je vous en remercie, on ne serait pas là sans vous. Salut !